Hey, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et à tous. Et à toutes. Voilà. Aujourd'hui, c'est un stream particulier. Aujourd'hui, spécial. C'est un jour particulier puisque c'est comme qui dirait. Hey, bonjour 30 à tous. Ans aujourd'hui. Il y a 30 ans, bonjour un être fragile et douillet. Bonjour non, à tous. J'ai jamais été fragile. Je suis né avec une barbe. Et à tous. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un stream. Non, mais comme le. Aujourd'hui, spécial. L'amiral général, hein, puisque Aladdin. C'est comme qui dirait. Aladdin, oui. Aladdin. Ah non, hein. Pas Schwarzenegger. Ouais. Pas Schwarzenegger. Alors, ceux qui n'ont pas vu le. Comment ça s'appelait non, c'était comme le dictateur. Le dictateur, j'allais dire le tyran. Attention, ne pas trop t'appuyer parce que Aladdin, ça fait sautiller. Ça fait comme ça. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, non, c'est un stream spécial. De la dev. C'est un stream spécial puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent. Et qui plus est, j'ai déjà dit. Un cap quand même assez. 22. 30. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, c'est un stream spécial. Tu sais que là, on a le son de notre propre voix, mais en différé. C'est ça. Aujourd'hui, on les entend aussi. D'ailleurs, je vais muter. Mute. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, bah ouais, ils nous disent écho. Voilà, écho, voilà, c'est moi, bon, c'est fini. Comme dans échographie, sauf que là, c'est non, écho. C'est écho tout court. Alors. Je vais te laisser dire bonjour à tout le monde. La cuvée 85, la meilleure. Et en fait, 85, moi, j'ai même tendance à dire la limite. Dernière bonne cuvée. La limite, hein. Bon, voilà. Ceci dit, aujourd'hui. Alors évidemment, on va un peu profiter du fait que c'est ton anniversaire pour lancer des défis, mais tu verras. Des défis, défis. Ah, tu vas voir, ça va être un peu lié au fait que ce soit ton anniversaire. Ouh. Voilà. Il y aura l'ennui au tronc. Il y aura. Ce qu'il y aura l'ennui au tronc. Alors, je propose. Pourquoi je n'ai pas de bonnet pointu? Alors, je propose. Tu veux un bonnet? Tu relis tutu chapeau pointu? Non, c'est bonnet. Un... Alors, j'ai fait ça. J'ai fait une distribution générale de sifflets, enfin, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Ça s'appelle des. Espèce de sifflets. Des poètes serpentins. Voilà, un truc comme ça. L'anniversaire du petit, les parents ont adoré. Quand il y a 12 Alors... gosses qui violemment soufflaient, c'est assez sympathique. Je propose que pour se chauffer, effectivement, on commence par un petit duel. Attends. Je vais juste rappeler, petite deux secondes. Un duel quoi, Un duel viewer, un duel, bien entendu. Non, un duel. On avait dit. Pas bon. De violence. David de David, 27-40 pour ceux qui oseraient se mesurer à moi-même. Mark Landers, bon anniversaire. Il est déjà là. Il est déjà merci, là. Merci. Alors, j'ai The Freestyler 95-49-0 qui me dit bon anniversaire aussi. J'en oublie peut-être, hein. Je suis désolé, je vous remercie tous. Si je vous oublie quand même. David de David dit Ombrelion, où est ta moustache? Ah. En mode Sergio Garcia. Ah, finalement, j'ai réfléchi. Pareil que c'est mieux sans. Et alors, attends, parce qu'on a un problème. John Razouk, salut David, deuxième fois que je vois ton stream et première que je vois l'eau. Déjà, il y a une majuscule à l'eau, parce qu'il y a déjà que deux lettres, donc si on pas déconner. Ensuite. Il m'a diminué aussi, hein, c'est David, s'il vous plaît. Et ensuite, il fallait regarder les autres fois. Voilà. Voilà. Mais ceci T'aurais dit, aussi c'est bien très pu bien. Le regarder trois fois et ne voir. Me voir trois fois. Oui, mais ceci dit, c'est déjà très bien d'être voilà, là. Voilà, mais c'est bien d'être là. T'es prêt, système. Non, allez, plutôt 9 x 2, 18, moins 14, 4, plus 3, 7. x 27. Alors le 7ème, c'est lui. Et c'est Red. C'est Red quelque chose. C'est Rédemption qui est rang 9. Merci, Nel Taxis. Bon, est-ce que je vais le déglinguer ou pas d'après toi? Oh! Je peux pas montrer ça, je vais un peu spoiler. Je ne peux pas mon si, en fait, si, je fais ce que je veux. Ah, et attends, parce que là, j'ai quelqu'un qui s'appelle Stiglitz, qui me dit « Bon anniversaire, Ragnar Lolo !» Alors, j'adore Stiglitz. D'où vient Stiglitz? Ragnar Lolo? Non. C'est Hugo Stiglitz dans Inglorious Bastards. C'était ça? C'est l'Allemand qui bute les Allemands à coup de couteau à travers un oreiller. Tu te souviens pas? Non. Vous savez qui c'est? Oui, c'est Hugo Stiglitz. Alors, on va quand même peut-être souhaiter, effectivement... Des good luck et un petit have fun à notre ami Rédemption. Est-ce que je garde ça? Est-ce que je garde pas contre un guerrier? Je ne garde pas. Je pense que je peux le faire mieux. Alors, j'ai Artichaut 1301 qui dit joyeux anniversaire à moi. Merci. Joyeux et qui dit on veut des énigmes aujourd'hui. Ah, je pense que vous serez pas déçus. J'allais chauffer les énigmes et puis dès que ça me vient, je balance. Enfin, si je peux dire.
Alors, oui, alors là on est contre du guerrier, on sait pas encore quoi évidemment, puisqu'il vient de nous jouer une fabricante et donc ça peut être tout en fait. Il fait chaud, Dave. Du coup, moi j'aspire à une bonne carte. C'est... Ah. Ça, c'est de la supra bonne carte. Ah. C'est même tellement de la bonne carte que ça sert à rien que je lui. Si, tu devrais. Quand il mourra, il prendra plus 5. Quand il mourra, il prendra plus 5, juste avant de mourir. J'en ai la bonne carte. Ah. Je meurs, mais. Ah. Bon, ceci dit. Ah ben voilà, première devinette du jour, d'où vient la réplique je meurs mais. Ah voilà, bon, on commence sur les chapeaux de roue. Attends, moi je connais ça, non? Mais oui, tu connais mes. C'est. Bon, a priori, ça a l'air d'être du guerrier contrôle, mais c'est pas sûr parce que la maîtrise du blocage est jouée par plusieurs decks, plusieurs classes. Je pense qu'un déchiqueté piloteur. Attends, j'ai une Alex Shepard qui dit joyeux anniversaire Lo de la part de tout Nvidia. Merci tout Nvidia. C'est très si j'ai trop content parce que c'est aujourd'hui. C'est gentil. Mais oui, c'est gentil. Et tout le monde Oamgi qui me dit bon anniversaire. Merci. En fait les gens sont gentils en fait. Ça arrive. Mais non, mais visiblement, il existe un endroit où les gens sont gentils. C'est... Et c'est ici, ça m'émeut. Non, regardez pas, je suis pitoyable. Bon, ici, ceci dit, je trouve que c'est un peu... C'est pas extraordinaire ce que je peux faire. Ah si, t'as une araignée. Oui, mais j'ai pas envie de l'activer tu comme la ça. Taper. Je vais aller voir avec tu un veux... portail si je... Attends, fais pas ça. Attends. Pourquoi? Moi, personnellement, hein... C'est pas nécessairement... Vu que c'est mon anniversaire, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est... Tu balances d'abord la tease flamme et ensuite le portail et tu espères que le portail va te donner un truc gratuit. Non. Je pense qu'il vaut mieux. Oh. Je préfère le garder. Voilà. Regarde-moi ça. Ça c'est bien ça. Horriblement déçu. Je vais mettre le pouletto parce qu'ici le pouletto il peut. Bon, pouletto. Tu vois d'où ça vient ça. Ce pollo est d'un. Il y en a qui se moquent de moi déjà, mais. Alors, attends. Fourmis Forever, toi tu dis moi pas gentil. Je te rassure, je suis pas gentil non plus. Dave, je suis gentil. Non. Bon. C'est pas gentil. Voilà. Je vois qu'on a toujours des nouveaux arrivants qui nouveaux arrivent et je vous salue. Il y a des gens qui nouvelles arrivent. Hein. Aujourd'hui, ça va être la fête. Hein. Oui, ça va mais je crève de chaud. Hein. Sans déconner, tu mettrais bien un petit ventilateur. Ou tu me donnerais bien des petits essuie-tout. Malheureusement, c'est ça va pas être trop possible. Et le nombre de viewers est en augmentation. C'est une très bonne nouvelle. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'était bien tes vacances du coup la semaine dernière, Lo? Et qui dit ça encore? Mais je regarde pas le pseudo, mais à chaque fois, c'est Mark Lander. Ça. Il est partout. Il est partout. Alors, la réponse est oui. J'étais en Italie, dans les montagnes, puis j'étais voir Venise, et j'ai survécu. Tu as survécu à Venise. Et dis-moi un petit peu Venise. Ce que tu disais justement tout à l'heure. Tu m'as échangé des propos quelque peu intéressants sur Venise. Alors, Venise... Venise est tout le contraire de ce que tu aimes. De ce qui te convient. Oui, parce que Venise, en fait, objectivement, c'est une ville qui a la classe. Hein. Cependant, c'est à la fois sophistiqué et fragile, et ça s'enfonce dans l'eau, et il y a de l'eau partout. Donc, partant de tous ces critères... C'est pas des trucs que tu surkiffes de base. Non, parce que de base, je suis pas conçu pour flotter, en fait, donc... Déjà, voilà. C'est un peu comme dans Lilo et Stitch, en fait, ma masse moléculaire est trop importante pour l'eau. Attends, parce que... Voilà. Il y a un truc quand même. Donc, pour les nouveaux arrivants, parce que là, moi, je trouve que c'est un petit peu mou du slipos, on est en train de me réclamer de l'énigme. J'accepte avec plaisir, mais j'en ai déjà fait une. Ah, mais il faut que tu la répètes. L'énigme du jour était... Il faut que tu répètes. Bien, la réplique, je meurs, mais... Alors, mais il y a un citation. Pourquoi est-ce que je peux pas changer mes autres cartes maintenant? Mais parce que t'es en cours de partie. Ah oui, c'est pour ça. Mais en fait, tu ne connais pas le jeu, c'est ça? Alors. Ok. Attends, je regarde un petit peu. Ah, ça, c'est nul, ça. Ça, c'est pas bon pour mes dents. Alors, j'ai Creepies qui me dit. Tout ce que je sais de Venise, c'est
c'est qu'il y a un Assassin's Creed dessus. Ah bon? Ouais, ouais, il y a eu un Assassin's Creed à Venise. Hein. Je sais pas quand ils l'ont tourné. Non, pour du vrai. Mais, bah ouais. Bah tu vois, là, tu m'apprends un truc. Alors, effectivement, Mark Landers, jolie destination, romantique, gastronomique et culturelle. Il y avait plat de poisson ouais, et j'ai mangé ça. Que de la pizza. C'est vrai? Ouais. Mais j'y étais que deux jours. Hein. Et alors, il y a aussi... Y a aussi comment ça s'appelle encore? L'île de Murano, hein, où ils font du verre soufflé. Et donc, tu vas dans la rue, sauf que la rue, elle est faite en eau. Et c'est un canal rue. Street of Boats, tu vois. Oui. Et il y a plein de magasins, mais plein. Et tu sais ce qu'ils vendent? Non. Des trucs en verre. Et si tu n'aimes pas le verre, eh ben, dommage. Et là, je tente. Tu tentes? Je tente le coup de bol, hein. Le coup de boule. Ah. Oh, yes oh. Ça, c'est bon pour mes dents. Je viens de récupérer deux fireballs. J'aurais bien voulu geler le héros, mais j'ai pas pu. Donc, on va voir un peu ce que ça donne, parce que là, il peut toujours faire un deuxième heure de bouclier. Il peut venir taper dedans. Il peut faire des trucs. À mon avis, il passera pas le tour. Effectivement, il passera pas le tour. Il n'y a pas de gros moche. Maintenant, il est temps d'avancer aux dégâts. Exec. Il n'a plus que 4 cartes en main, mais il peut me jouer à gros bestiaux. Il peut me jouer à Crash Vaz, ça c'est quand même embêtant. Bon, et ceci dit, on se reconcentre un peu sur la game parce que c'est dur hein, là, c'est dur. Hein. Alors, Mark Landers nous dit qu'il arrête de monopoliser le chat et que à Murano, le jambon est très bon. Alors, soit il y a un jeu de mots, soit j'ai pas goûté le jambon local. Est-ce que tu as senti un jeu de mots? Non. Je peux pas ni affirmer ni confirmer. Ouais, alors j'ai envie de dire, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Tiens, devinette numéro 2. Ouais, d'où vient, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Réussite, double flamèche. Attends, il me faut mon bloc-notes parce que sinon, je vais oublier mes devinettes au fur et à mesure. Attention, hein. Oui, c'est une note ne secrète. Ne me plie pas, mais... Non, tu... Alors, Vous connaissez ces gens qui vous prennent vos post-it et qui les... Aïe, 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 une baston alors... encore une fois. Là, on est vraiment pas bien en termes de carte advantage. On est vraiment, vraiment pas bien. On est mal. Ah, Docteur Wu. Attends, parce que j'ai Zephyrals qui me demande si j'ai été voir l'île de Poveglia ou pas. Alors, la réponse est non, je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Ouh, j'ai une autre énigme. Là, je vais la noter, celle-là. Bon. De base, il tue parce que pas là, mon... j'en ai quand même deux qui sont en chemin. Ah, écoute, peut-être que toi, tu devrais peut-être les répéter. Première, c'était d'où vient d'où la vient réplique. La réplique, je meurs, mais... Ah. C'est un double baston. Mais bon, là, évidemment... La rédemption, il est dur. Hein. Et c'est le boom qui reste. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il nous faudrait de la carte de pioche, parce qu'on a de la pioche, mais il faut que ça vienne. Alors, le live du 20... Attends, c'est... Guirix! Guirix, ça me dit quelque chose. Bah, Guirix, c'est un habitué. Hein. Le live du 27 juillet sera-t-il mis sur la chaîne de Davido David? Alors la réponse oui. Est bien sûr que oui, mais Dave est une grosse quiche et il s'est un tout petit peu plantousé au dernier live qu'il a mis en ligne. Oui, en fait, je m'étais trompé, j'avais remis le tout premier live et donc j'ai remis celui de Mebi entre-temps. Ça arrive, je l'ai uploadé tout à l'heure. Voilà, voilà. Ça arrivera cette et semaine. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on va se remettre à jour. Alors, bibibi. Ceci dit, je suis toujours dans la game, hein. Finalement, je suis pas encore mort. Et finalement, lui, il est pas loin d'être mort. Et j'ai deux cartes de pioche là-dedans, j'attends vraiment que ça vienne. J'ai Stiglitz qui me demande à nouveau, avez-vous vu la daube cosmique Fantastic Four? Alors, Non, mais j'ai pas encore vu. Il y en a qui vient sortir? Oui. Ah bah alors C'est pas bien, apparemment, c'est pas bien. Visiblement, c'est une daube cosmique, donc à moins que la daube cosmique, ce soit un nouveau nom pour dire j'adore le houmous. Non mais ça dépend, il y a des gens qui aiment pas les pizzas. Hein. Oula, là ça veut dire que je suis mort dans deux tours. Ouais, mais... Bon... Là, ça veut dire qu'il n'est pas mort avant longtemps. Là, ça veut dire qu'il va avoir mal. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Je sais pas, en fait. Ça, c'est bien, ça. Ça, oh! Ça, c'est double bien, ça. Allez, on balance. On parlait pas du tout, en fait, je viens de me rendre compte. Comment du tout? On ne parlait pas du tout, en fait. Pendant tout un moment, de type 3-4 secondes. Ah, mais non! Alors, non, alors, tu alors, dis alors, ça, alors. Mais tu ne penses pas vraiment. Ben, en fait, oui, est-ce que tu as. Est-ce qu'on voit nos têtes? Montre un peu si on voit nos têtes. Oui, normalement, on voit nos têtes. Est-ce qu'on voit nos têtes? On est là. On est là. On est là, on est là, on est là. Et là, en fait, je prie. Tu sais que moi, je vais quand même un peu te lire des commentaires qui concernent le jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Que je me tatouille parce qu'il y a un play difficile. Alors.
J'ai French Dragon qui dit « Pourquoi miss un dégât en voyant le boom dans l'acolyte ?» En parenthèse, donc le blessé pour l'exec. Et en plus, mettre la boule de feu face. Pourquoi ? Parce que je voulais diminuer... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il me dit bien joué ? Il a le gros moche. Il a la chouette. Puis quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a dit « Ah ! Yes !» Pour ça, en fait, pourquoi ? Parce que comme j'avais la tisse-flamme, si je jouais mes sorts, j'ai la probabilité que dans le... Oui, j'avais les sorts. La probabilité que la tisse-flamme... Oui, mais... Oui, je l'ai fumé, mais la probabilité que la tisse-flamme balance des dégâts sur l'acolyte de la souffrance qui était full life était très grande, donc il allait... Ça se trouve, il allait piocher trois cartes. Je préfère qu'il en pioche une à coup sûr. Ouais. Bien joué. Belle game, hein. Bien joué. Effectivement, c'était une game très tendue. Je m'attendais pas à la gagner. Alors, ceci dit, si on repartait tout de suite avec un deuxième duel, et après, on parlera un petit peu. Alors, je rappelle... Ouais. Pour dualiser, c'est David O'David 27-40. Et puis après, je rappelle aussi qu'on fera. Tu vois, il y aura un petit truc assez sympa autour de ton anniversaire. Voilà, c'est l'anniversaire de Laurent, effectivement. Alors, moi je rappelle d'autres trucs importants parce que là, je suis excessivement déçu. Dis-moi, stop, c'est John Terry. John Terry, on va voir s'il est toujours là. John Terry, si tu es là, ne te cache pas. John Terry. Tu vois John Terry, toi ? Je ne le vois pas. Ah si, le voilà. Bah il est là, je l'avais vu tout de suite. Ouais, ça va quoi. Ça c'est plus un joueur de mon niveau, j'ai l'impression. Bah je vais lui proposer un petit dudu. Voilà. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe, David? Pourquoi t'as pas gardé ta Hulk Hogan, ma Hulk Hogan? Disons que j'en ai parlé un petit peu avec moi-même et que j'en ai parlé avec mon épouse et que finalement il a été décidé que, comme l'avaient suggéré certains, disons que c'était pas le... C'était pas la pilosité qui permettait le mieux de briller en société. Donc, moi, personnellement, je t'aurais dit de la garder, mais de la décolorer en blond. Bon, alors, John Terry est en... Voilà, il est en mode, on va prendre quelqu'un d'autre. Attends un peu deux secondes, parce qu'il se passe des trucs. Je répète l'énigme numéro 1 du jour, parce qu'il n'y a personne qui répond aujourd'hui. C'est Kayazak. Oui, mais attends deux secondes. Kayazak, oui. Tu veux bien te fâcher avec moi, il n'y a personne qui répond aujourd'hui. Mais peut-être qu'ils ne savent pas. Mais si, ils savent, parce qu'ils me réclament deux énigmes. Et puis je leur donne une et puis on ne répond pas. Donc, Isaac, numéro 1. N'est pas là non plus. Alors, ils sont tous en train de jouer, en fait. En fait, ils sont en train de manger, là. Non, en train de jouer. Allez, rating. Spacer. Spacer, j'espère que toi, tu es là. Où est-ce qu'il est, Spacer? Je ne le vois pas. Bon, il va falloir donner des indices, à mon avis. Énigme numéro 1 du jour. D'où vient la réplique? Je meurs, mais... Attends, on l'a... Spacer est dans BattleNet. Ça en fait 4 qui veulent pas jouer. Mais en fait, chaque fois que tu viens, ils veulent plus jouer avec toi. À mon avis, ils ont peur, hein. Je vois que ça. Alors, Oamgui, je sais pas comment ça se prononce. Comme là. Est-ce qu'il est là? Il est parti. Là. Hop. Voilà. Il a annulé le défi. Bon. Mon avis. Mais c'était pas le bon. Attends un peu. Je. Ah, Oamgui qui nous dit « Je suis là, moi !» Bah... Ouais, non, mais sans déconner. Ils volent pas. Oh, j'ai une autre énigme. Ils sont tous là, maintenant. Bon, il faudrait savoir. Alors, tiens, justement, énigme numéro 2, Dev. D'où vient la chanson « Tout le monde te hait. Tout le monde voudrait que tu sois mort. Oui. Peter, t'es nul. » Non ? Je croyais que c'était... Va voir un psychiatre. La psychiatre. Je croyais que ça venait de... Tout le monde te voudrait voir moi. Je croyais que c'était... Tu pues le chat. Ça ressemblait à Tu pues le chat. Mais non. Allez. Mais... Et est-ce que j'aurais monté le niveau des énigmes trop haut? Il a annulé le défi. Non mais à mon avis, tu vas te déconnecter, te reconnecter parce que là, ça déconne. Oui, voilà. Ici, j'ai Kayaska qui nous dit les invites bug. Ah oui. Visiblement, il y a... Alors, Marion Cotillard dans Batman, la réponse pour Zwiz est... Non. Effectivement, mais en fait, cependant, la réplique je meurs mais peut être appliquée avec humour à plein de personnages dans de nombreux films très comiques. Alors en fait, on a été déconnecté. Donc l'énigme du jour numéro 1 était je meurs mais on a été déconnecté. On se reconnecte. On va se reconnecter en attendant, on va repasser. Alors je meurs mais via d'un reportage sur la mort. On peut dire ça effectivement. J'ai toujours très très chaud. Oui, mais il fait très très chaud aujourd'hui. Hein. Il fait vraiment très très chaud.
Alors, tu vois, quelqu'un d'autre, c'est Crips, qui nous dit « Tu pues le chat ?» Alors, on est reparti sur les duels. Donc, qui était le premier? Tu te souviens? Voilà, le premier qui balance. Malheureusement, ce n'est pas « Tu pues le chat ». Mais on aurait dit « Tu pues le chat » de Friends, évidemment. Non, sinon, j'aurais dit « Tu pues le chat, alors, tu pues le chat, mais comment te nourrissent-ils » Bring. Alors, on va jouer à un deck qui est un spoil de ce que vous verrez bientôt sur la chaîne. Pourquoi? C'est pourquoi le beau jeu. C'est le jeu le plus, le deck le plus magnifique du monde. Alors moi je pose une énigme, ah, allez-vous le reconnaître? Et là, avis aux Orsoniens. Non. Si, si. Ah, et Kayaska qui, j'espère. Bah, bon là, évidemment, vous pouvez le reconnaître tout de suite. Est-ce que j'aime bien ça? Bah, en fait, oui. Oui, je peux garder ça. Je suis pas pressé, mais non, il faut voir ce qu'il va me mettre, évidemment. Bon. Est-ce que tu connais ce deck? Alors, personnellement ou oui, personnellement. De vue alors, je ne le connais pas personnellement. Et non, en fait, non. Non. C'est un deck mouton, ouf, géant, écho. Ça va être très dur, ça. Non? Non, c'est... Alors, je vais pas répondre dessus. Est-ce que vous l'avez reconnu? Dites-moi un petit peu. Ah bah, c'est le Giant Mage. Mais non, c'est pas simplement le Giant Mage. Il porte un nom. Quel est son nom? C'est la légende. La légende parle d'un deck de légende dont la maîtrise du deck était légendaire. Le Mérovingien. Ah, on nous l'avait donné. Là, on nous l'avait donné. On nous et l'avait là, donné. On a un gagnant. Bi. Là, je n'ai qu'une seule chose à dire. Non, mais sérieusement, tu sais qui avait dit que c'était le Mérovingien? Non. Devine. Je sais pas. Devine mieux. C'est Mark Landers. Oui, effectivement, mais effectivement, tous les habitués ont reconnu le Mérovingien. J'ai quoi, Liberty qui dit mage autiste. Alors là, regarde bien, on va faire un truc qui est cool. Il va jouer une carte. On va faire d'une pierre deux moutons. Parce que du coup, quand mon mouton meurt, son mouton meurt. Et donc ça veut dire qu'il va devoir sacrifier son board. En fait, c'est quand ton c'est ça. Ton tonton sera tendu, quoi. Donc il va venir me mettre 3 dégâts, et puis il va sacrifier son mouton dans mon mouton s'il joue bien. Oh non, Niotron. Ah, il aurait pas dû faire ça. Parce que là, du coup... il perd toutes ses créas. Enfin bon. En fait, ici, Kayaska, selon moi, a fait une erreur parce qu'il n'a rien pu jouer à cause de ça. Et donc il me rend complètement le tempo. Et moi, tranquillement derrière, bah, je mets un crash vase. Ouais. Voilà. Alors, on va voir. On va voir si David a effectivement les balls pour jouer le Mérovingien, qui est pour moi un des decks les plus difficiles à jouer. Une Fire Bouboule déjà. Bon, moi je vais te dire un truc. Je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que personne n'a trouvé l'énigme du jour numéro 1. Ah non, mais tu l'as séché, hein. Ouais. Que ça sèche, hein. Bon, répète-la un peu, alors. Énigme du jour numéro 1. Et je vous rassure, j'en ai encore 4 autres en stock rec pour le début, là. Énigme du jour numéro 1, Dev. D'où je vient... meurs, mais... Ah. Mieux. Je meurs, mais... Ah. Voilà. D'où vient cette citation? Parce que là, il faut arrêter de... Elle vient de Rambo. Ça vient de... Un reportage sur la mort effectué par quelqu'un de connu qui est belge. C'est ça. Qui est belge. Trouvez. Là, il est temps qu'il se passe quand même des trucs. Oui. À différents niveaux. Au niveau de mes secrets. Donc, en fait, je t'explique. La stratégie du deck, c'est prendre des dégâts, c'est gérer le board avec les moutons, avec la combo, je te freeze et je mets un auspice funeste pour tout faire sauter. Puis, je joue des secrets qui dupliquent, des secrets qui me permettent de pas mourir. Et à un moment, tu connais la carte des codes médifs quand même. C'est une carte qui copie toutes les cartes sur table. Et donc, tu joues tes géants pour rien, tu copies, tu reposes. Et donc, mais voilà. Tu le poses. Donc ici, j'ai mon bloc de glace, donc à voir. Mais... à voir, évidemment. Attends, parce que... Il y a encore des gens qui me disent... John Razouk qui me dit Batman, Mario Cotillard. Alors, pour la deuxième fois, la réponse est non. Non, non. Alors, j'ai Innocent qui dit c'est arrivé près de chez vous. Et Mark Landers qui dit c'est arrivé près de chez vous. Alors, est-ce que c'est arrivé près de chez nous?
C'est plus difficile à dire. Alors, oui, cette arrivée près de chez vous est un indice tout à fait correct dans la recherche de cette énigme. Je vois qu'on avance. Cependant, ce n'est pas dans cette arrivée près de chez vous, mais presque. Alors, comme on a le bloc de glace ici, j'ai accepté de prendre encore quelques dégâts en spéculant sur le fait que mes heals allaient revenir. Oui. Quoi, Liberty qui... Michael Jackson? Non. Je me remets. Non, ça aurait été... Je me remets. Et pour ceux qui connaissent, il y avait un mouvement à un moment qui disait... C'est lui qui se heal, du coup. Pitié, Johnny, ne meurs pas, sinon ta musique, on va en bouffer. Suite au décès de Michael Jackson. Ah oui. Intéressant, cette histoire. Koh-Lanta. French Dragon qui dit Koh-Lanta ? Non, c'est pas Koh-Lanta. Alors donc en gros, tous les trucs où il y a eu un décès un peu foireux, ils vont nous laisser. Ah, c'est ça. Alors, attention, tu veux bien lire le pseudo de cet honorable... Là, en rouge, là. Nel Taxi. Qui dit Monsieur Manhattan. Et donc, enfin notre première énigme du jour est remportée et trouvée après 25 minutes, les gars. Qu'est-ce que vous foutez ? Un truc dans le genre. Je suis affreuse, horriblement déçu. Yeah, pour vous récompenser, je vais manger une cerise. Voilà. Vous avez fait une cerise ou une double dose de cerise? Attends, parce que là, je suis en train d'une double dose de cerise ou pas? Non, merci. Je ne mange jamais les cerises venant de doigts étrangers. Bah quoi? Non. C'est pas ce que t'as mis dans ton nez avec tes doigts. Alors. Bon, là, on est pas mal, hein. Là, on est pas mal du tout. Le mérovingien qui fait le boulot. Alors, Neidrastos qui me dit bonsoir tout le monde, enfin non, qui dit bonsoir tout le monde à tout le monde, et puis qui me dit bon anniversaire Lo. Je suppose que ça me concerne, merci. Et là, tu vois, il y a un secret, et je sais pas ce que c'est, si c'est un dupliqué ou pas. Du coup, j'ai pas envie de lui donner un géant. Mais je vais quand même le tenter, si c'est un géant, je traderai. C'est un géant. Du coup, c'est pas grave, parce que ce que je vais faire, c'est... Lui friser les poils du nez. Ça. Oui. Alors ça vient d'où, friser les poils du nez? Celle-là, elle est facile, hein, sans déconner. Friser les poils du nez? Tu m'as littéralement frisé les poils du nez. Énigme numéro 2 du jour. Ah, je ne sais pas. Alors, comment Kayaska peut-il s'en sortir? Il peut dégeler une de ses créas. Il peut me faire une combo fatale à coup de dégâts, je sais pas comment. Dev, tu me déçois atrocement. Friser les poils du nez, tu dois forcément le connaître, hein. Énigme numéro 2, d'où vient? Tu m'as littéralement frisé les poils du nez, tu as gagné, t'as remarqué? Oui. Deuxième victoire pour le Davido David. Voilà, bah GG. Alors, sauf que là, c'est pas lui. J'ai une question intéressante de la part de Guirix. Lo, est-ce que Davido t'a offert un cadeau? Alors, j'allais y arriver. La réponse est non. J'ai mon cadeau avec moi. Mais ouais, puisqu'on en parle. Surprise. Bon, voilà, puisqu'on en parle. Alors, friser les poils du nez, c'est pas dans un dîner de con. Free careful, ce n'est pas ça. On va reprendre sur du Hearthstone et voilà ton petit cadeau, très cher Lo. C'est un cadeau Hearthstone, bien entendu. C'est un bon pour 50 boosters pour que tu puisses te précommander. tu puisses te précommander. Alors, rêvez pas, c'est pas un truc de Blizzard, c'est un truc fait maison, c'est par moi. Fait maison. Oh, ça existe, c'est Blizzard. Non, c'est moi. Voilà, s'il te plaît. Il faut cacher le code promo, sinon ils vont le copier. Moi. Merci, Dave. Voilà, c'est trop plaisir. Parce que, voilà. Non. Bon. 7 mètres. Non, je dis ça parce que connaissant Laurent, la probabilité qu'il ait de quoi se crafter. Je suppose que tu as crafté des trucs inutiles avec les golds qui te restent. C'est pas vrai. Avec tout le temps que tu as dû jouer. Ah, ouais, alors puisque Dave veut devenir désagréable, je voudrais juste vous faire remarquer la qualité de l'impression. Hein. Voilà. Visiblement, l'imprimante, elle a été un peu fatiguée au niveau de tout ce qui concerne les couleurs. Hein. Ah oui. Non, à mon avis, ça a été imprimé correctement, mais ça a surtout été... Ça a été frotté. Mais j'espère que ça te plaît, parce que je me disais qu'un cadeau Hearthstonifiant était certes... Refais la même, je ferai un print screen. J'ai essayé. Ça, tu la mets en miniature. Hein. Attends, je vais le faire, le print screen. Mais il faudrait que tu le fasses, si tu veux le faire. On y va.
T'es vraiment un naze en fait en informatique. Donc il faut savoir, je sais pas si vous nous entendez toujours, mais Dev en fait vient de fermer toutes les fenêtres, revenir au menu Windows 8 foireux. En fait, non, Dev, c'est pas comme ça qu'on fait. Si, non, 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 si, regarde, si, regarde, si. Regarde. Il faut appuyer sur les non, deux. Non, 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 tu appuies sur FN et sur print screen. Non, ça marche pas. Sur le 8, ça marche pas, regarde. Tu dois appuyer là, appuyer là et appuyer là. T'es prêt? Voilà. Tu vois, j'avais raison, il faut appuyer sur les trois sur Windows 8. Et donc on a la miniature. Normalement, oui. De la rediff du live je vais d'aujourd'hui. Si on l'a... Et d'où vient la citation « Tu m'as littéralement frisé les poils du nez » Dev. Elle est belle en Elle plus. Est grandiose. Elle est grandiose. Alors, d'où vient la citation? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, personnellement, je ne savais pas. Tu m'as littéralement frisé les poils du nez. Tu dois le savoir. Non. Tu dois le savoir. Tu le dois. Je vais manger une cerise. Voilà. Et dis-moi un petit peu, justement, si... Ce que ça raconte sur le chat, est-ce que, bah déjà, est-ce que mon cadeau, est-ce que les gens trouvent que mon cadeau est un vrai cadeau d'ami hearthstonien? Alors, Homgui, c'est Homgui. Alors, bon, j'ai un peu de retard dans la lecture du chat, mais Artichaut 13-01, la réponse est correcte, c'était dans Shrek. Dev, je suis affreusement honteux de toi. C'est quand l'un se prend un vent dans la tronche et qui dit tu m'as littéralement frisé les poils. Ah bon, dans Shrek? Dans Shrek. Alors, non, c'était pas dans Le Seigneur des Anneaux, Zephyrals. Alors, visiblement, Omgi dit que le cadeau est joli. Alors, Free Careful, j'accepte la réponse parce que c'était la réponse à une autre énigme que j'ai posée à un autre moment qui était « Je suis un peu d'accord avec tout le monde », mais à laquelle personne n'a répondu. Donc, puisque toi, t'as répondu à un truc qui n'a rien à voir dans ce cas-ci, mais qui a à voir avec l'autre énigme, je prends. Voilà, t'as gagné, voilà. Alors, Je vois que tu es en super forme, toi, aujourd'hui. La future miniature de la VOD, effectivement. Oh, on a été déconnecté. Oh, 0-24-44, c'est mon anif aussi, David. Non, je rigole. On a été déconnecté. On a été déconnecté. Oui, c'est assez bizarre. Alors, future miniature de la VOD, effectivement, Amgui. C'est trop beau, dit The Freestyler 95-490. J'ai m'entend dire que je pense que la game va être difficile. Hein. Salutations. Parce que là, on part avec une main, ouf, mais pas du tout adaptée. Alors. Attends un peu, parce que. Attends, juste une seconde. Neltaxis, la première fois que j'ai prononcé ton pseudo, j'avais bel et bien prononcé le S. Alors, premier avertissement. Non, je déconne. Donc oui, je l'avais bien prononcé et après, je l'ai moins bien prononcé. Oh, le mage méca. Désolé, peace. Alors déjà, alors, du coup, ça va être différent, cette histoire. Bou, 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 bou. C'est ça. Donc, visiblement, Homme Charrette, ça fait 200 fois qu'on me répète le tata de la licorne. Tata est le secret de la... Le tata de la licorne. Tata est le secret de la licorne. Alors non, je vais pas dans celui-là. Pas que je sache. On va avoir mal là. Alors, The Freestyler 95-490 qui dit David, que préfères-tu entre chocolat et cerise? Cerise. Chocolat, bien sûr. Ça, c'est abusé, ça. Et si je te disais que j'ai des cookies cranberry chocolat blanc? Non, c'est trop compliqué. Faudrait que je goûte. Aïe, ça tout de suite. Je fais un truc qu'on ne peut pas faire. On mange pas. Joyeux anniversaire, bruit. Attends. Alors. Bon. Je crois qu'ici, on va se faire déglinguer, comme on dit dans le jargon technique. Donc, je pense qu'il serait, ce qui serait marrant, c'est ça. Alors, j'ai Creepies qui dit « Les gars, c'est mon demi-anniversaire, vous m'ajoutez dans vos contacts ?» Non. Bon, désolé. Alors, moi, j'aurais dit oui, mais c'est Dev qui a la souris, et comme, voilà, comme il me mord à chaque fois que je veux essayer, ça ne va pas. Dis, c'est, t'as mangé un morceau de chic et t'as laissé le reste. Qu'est-ce que... Non, mais c'est... Tu sais, autant j'aime bien le coca dans la vraie vie, autant les chics au coca, bof. Alors, attends, parce qu'il se passe des trucs. Pendant que tu interagis avec le chat, moi je me prends un deck, mais qui... Attends, qui, visible. Qui pose, hein. Oui, mais attends, le truc qui est génial, c'est que... Effectivement, j'ai 0-24-44 qui dit, c'est assez terrible. T'as David qui vient pour le Live Hearthstone et l'autre qui vient pour s'occuper, pour occuper le chat. C'est ça? On change de place! Mais c'est ce qu'on appelle. Oh, oh, c'est ce qu'on appelle le tandem gagnant. Attends, excuse-moi une seconde. Énigme numéro combien? 3? On change de place! D'où est-ce que ça vient? C'est une excellente question. Celle-là, tu peux pas savoir. Hop là!
On est en train de se remettre. Et alors on est en train de se remettre, les amis. Les esprits. On n'est pas en train de se remettre. Alors, Dave. Oui. Ici, on me pose la question. C'est les Grésotes qui dit, les gars, vous pourriez donner votre avis sur la carte qui vient de gagner les votes. Alors, mon avis à moi, c'est que c'est celle qui a remporté le plus de voix. Je suis pas allé voir, je saurais pas vous dire tout simplement parce qu'on n'est pas allé voir. Allô, boubou. Et si on lui disait. Alors, Chuba King qui dit Big Bang Theory, c'est non. Alors, John Razouk sans suspense, c'est pas Sheldon. Je dois réfléchir. Alors, c'est dans un dessin animé, en fait, pour l'exemple hein, de. On change tout de place fait. C'est dans quel dessin animé? Je viens de bombe de lumiériser tout le board en fait. Hein. Ouais, ça l'a calmé. Ah ben là, c'est à dire qu'on s'est remis. Sauf que le tempo maintenant est plutôt chez moi et s'il me joue des grosses créas, ça dégage. Je peux m'expliquer un truc. Oui. Pourquoi moi je crève de chaud et pas toi? J'ai chaud aussi. Ah. C'est juste que ça se voit pas. Alors là. Là, on va simplement... Attends, j'ai Quark Liberty qui me dit « Pour moi, Davido, joue tranquille. » Comme à la maison. Hello, la victime qui doit lire nos commentaires, NDR, l'eau, révolte-toi, c'est ton anniversaire. Je joue tranquille. Alors, il adore parler avec vous. Deux secondes, je changerai de place avec Dave quand quelqu'un aura trouvé d'où vient la réplique. On change de place. Qui vient de dessin animé. Alors, non, Freak Air Fool, ce n'est pas Bob l'éponge, mais j'apprécie le style. Dark Lynch 666, c'est pas dans Astérix. Non. Nate Rasdos, ce n'est pas dans Dragon Ball Z. French Dragon, ce n'est pas dans American Dad, mais j'apprécie le style aussi. Oui! C'était dans. Les Grésutes qui dit c'est dans Futurama. Oui, effectivement, c'est quand Bender se retrouve à l'asile des robots. Et qu'il y a une espèce de robot chapelier fou de version Alice au Pays des Merveilles qui, à tout moment pendant la thérapie, crie « Oh, change de place !» Et tout le monde change de place. Donc, Dave, on va devoir changer de place. D'accord. Prochain duel, il est pour ? Prochain duel, oui, tu feras tes duels, bien sûr, bien sûr. Et là, je me tatouille. Est-ce que je fais encore tout sauter une fois ? Ça ne me coûte qu'une carte. Est-ce que je repose derrière et si je repose, qu'est-ce que je repose? Oui, je vais faire ça. Tu le poses et tu fais des pauses derrière, tu sais quoi? Voilà. Ah zut. Non, il n'y a pas de zut qui, voilà. Friser les poils du nez, c'est bon. Voilà. Oh, on en a toujours une là qui refuse. Double bombe de lumière. Bombe. Ça aussi, ça pourrait être une énigme, mais je ne vais pas la poser. Parce qu'on l'a déjà posé, je pense. Voilà. Là, je viens de lui gérer deux fois le board. Maintenant, il est temps que je commence un petit peu à prendre contrôle de la situation. Ok, ça se pique. Les damnés se ça se piquerait bien aussi. Je pense que d'ailleurs c'est ça qu'on va piquer. Alors on va hop, on va lui voler ses cartes parce que c'est marrant. Et ça lui apprendra. Voilà, ça lui apprendra à jouer des decks aggro. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il c'est m'a hyper discriminant, hein, les decks aggro. Oui, bah il y a les decks à mince, il y a les decks aggro, il y a les decks à blond, à brun, le blond. Bon. Et là, je nous sens pas mal, hein, parce qu'avec le Vol'jin en main, la lumière, je pense que le Davido va faire un 3-0 tout doucement. En bref, j'ai une question pour expert, là. Oui. C'est Chips Rose, dont le pseudo est Rose, qui nous dit, c'est quoi le dos de carte du mec en face? C'est le dos de carte tout simplement de... Ça a l'air d'être un truc un peu undead. Non, c'est simplement le dos de carte de la dernière aventure en mode héroïque. Tout simplement. Eh, mais deux secondes, il n'y a pas d'autre énigme. Alors, Piou, oui, il y a une vieille énigme qui traîne qui est la chanson « Tout le monde te hait, tout le monde voudrait que tu sois mort ». Peter, t'es nul. Non ? Allez, il faut trouver d'où ça vient. C'est dans un film, et je vous donnerai un autre indice dans pas longtemps. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il m'a désingué une créa comme ça. Bon, ceci étant dit,
On a quand même un tel Cartan Vintage, je savais pas, enfin voilà, j'ai pris le risque que ça tombe sur ma créa, et c'est tombé sur ma créa. Visiblement, alors, double boxeur qui nous dit, les decks maigres, MDR, vous les oubliez. Les decks maigres. Bah ouais, parce que les decks gros. Ouais. Mais on l'avait déjà fait. Alors. Bon. Laissez-moi vous montrer. Parce que tout ça... Alors, Chips Rose nous dit merci pour votre réponse concernant le dos de carte. Là, il doit être en train de rusher comme un fou pour faire la dernière aventure en héroïque, en fait. Et là, je veux pas dire, mais c'est comme qui dirait qu'on a gagné. Là, je pense que Wamgui va avoir du mal. Un petit Zoreb. Bon, attends un peu, parce que ça part dans tous les sens en termes d'énigmes, là. Alors, j'ai Freakerful qui dit Peter Paul le film. Non. Le Cherokee qui dit Peter Paul. Non. C'est Firal qui dit Seigneur des Anneaux. Non, non, non. Code Barre qui dit Spider-Man. Non. J'ai essayé de trouver d'autres façons de dire non, ça devient compliqué. Mark Landers, qu'on ne présente plus, qui vient nous dire Peter, c'est le Peter de Family Guy. Non. Le Roi Lion. Non plus. Mais aujourd'hui, c'est... Careful, Stuart Little. Non plus. Je crois que je vais peut-être trop monter le niveau. Hein. Écoute, moi, je vois pas. Alors, c'est un film qui contient l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue Marshall Erickson. C'est ça. Tu le connais ? Non. Tu devrais. Marshall Erickson, c'est dans How I Met Your Mother. Et donc, cette chanson, tout le monde te hait, tout le monde voudrait que tu sois mort, ça vient d'un film avec lui, trouvez-le, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Alors là, on continue la partie, mais alors, je pense qu'on l'adore, Wamgui aurait sera vu déjà... Qui nous dit Atlantis, c'est non. PM66, comme dans Pistolet Mitrailleur 66, qui nous dit Kaamelott, non plus. Alors, Lo, je trouve que tu fais un animateur de chat, du feu de Dieu, mais... Dark Ninja 666 qui dit Retour vers le futur, non. Mais, qu'entends-tu par cheval? Il faut que je la fasse, celle-là. Allez, énigme suivante pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la précédente. Qu'entendez-vous par Pégase? Serait-ce un cheval? Tu la connais, celle-là, toi? Non. Mais je vais quand même... Allez, parce que je vois que tu te donnes, hein. Ouf, si je me donne un... Vous voyez pas, mais il a chaud, hein. Je suis, mais je m'en fous. Voilà. Ça aussi, ça pourrait en être une, mais qui vient encore d'un show. Allez, pour la beauté, effectivement. Alors, bi. Mais... Et on va l'achever, attends. Hein. Vu que personne ne trouve et qu'il y a 200 000 réponses différentes, j'ai Pioux qui me dit Sarah Machin. Alors... Bon, Sarah Machin, c'est pas tout à fait juste, mais c'est le titre français, c'est « Sans Sarah, rien ne va ». Oh, comme c'est mignon. Ouais, et c'est de là que ça vient, effectivement. Et arrête de te moquer, toi. Mais non, mais... Hop, donc tout le monde te hait, on a trouvé. Donc maintenant, énigme suivante qui tabasse. Il est... J'ai une liste comme ça. Une autre énigme qui tabasse, c'est « Qu'entendez-vous par Pégase ? Serait-ce un cheval ?» D'où est-ce que ça vient à ça? Alors, Hercule, bien essayé, mais non. Hercule nul. Ça, c'était Juan Ayo. Bon, ceci dit. Alors, attends. Innocent qui dit les muscles de Monsieur Manhattan. Alors, non, mais parce que tu l'as cité, je fais les muscles. Non, ça te dit rien, ça? Ça ne tirait peut-être pas jusque-là. Est-ce qu'on a des duels qu'on n'avait pas encore su faire? Alors, je regarde. Kayaska, on l'a duelisé. On l'a dit. Alors, PM66 qui dit c'est arrivé près de chez vous. Toujours pas. Spacer. Innocent qui rigole pas avec je suis, mais je m'en fous. Dis-moi plus de secondes. Est-ce qu'on a joué contre Spacer? Je ne sais pas. Si tu veux, je le fais. M'en fous, je le fais. Bah écoute, je vais un peu dualiser. Alors, les chevaliers du Zodiac. Non. Pourquoi? Ça, c'est Dark Lynch 666. Quelle citation? Pour le Pégase. Qu'entendez-vous par Pégase? Ça reste un cheval? Courez, chevalier d'Athéna. Je vois bien. À Vegas ? Non. En fait, non. La tourmente Parnasse infernale. Non. Là, on veut de l'accélération. L'agneau musée, non plus. Et c'est pas moi qui devais jouer, là ? Non. Ah. Toi, tu joueras. On avait dit que je jouerais. Tu vas jouer après ? Alors. Commence mal, il n'y a pas d'accélération. Alors, attends, parce que là, j'ai Sevb qui dit à Davido David HS, salut. Ben, et moi, salut. Est-ce que je sens le pâté ? En même temps, c'est... Peut-être qu'un jour, on sentira. Bon ben là, comme on est parti, à mon avis, on va pas tarder à sortir, parce que ça chauffe. Ça chauffe. Bon alors, oui, j'ai une réponse.
Ah, j'ai deux réponses. Oh, presque. Harry Potter. Non, j'ai PM66 qui m'a dit d'abord les portes de la gloire et qui a gagné. Si tu donnes les portes de la gloire. Zephyral, ce qui dit les portes de la gloire, mais un quart de seconde après, qui a aussi gagné, mais qui a pas gagné parce qu'il est deuxième. Mais les portes de la gloire avec Poulvord. Exact. Là, je me souviens, c'est le film avec la fameuse scène de la porte. Tu dois ouvrir 12 milliards de fois la porte, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est la répétition de porte. Alors, justement, à propos de gagner, je vous en pose une autre un peu tactique comme ça, très rapidement. Vous dites tout de suite la réponse qui vous vient tout de suite. Le premier qui dit la bonne, il a gagné le droit de me faire un cadeau pour mon anniversaire. Vous roulez à vélo dans une course, vous dépassez le deuxième. Quelle est maintenant votre position dans la course? C'est facile. Je vois bien tout le monde. Bah quoi? Excusez-moi. Je suis sûr qu'il y en a bien un ou deux qui sont chez eux à la maison. Bah quoi? Oh, il y en a quand même qui se sont plantés, mais il y en a pas qui se sont plantés! Les gars! Mais les gars! Mais... j'ai jamais mal. Posé une question qui a 2 milliards de réponses, quoi. C'est beau, ça fait plaisir, les gens participent. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, c'est trop pour moi, tout le monde a répondu en fait. Non, tous les viewers n'ont pas répondu, mais presque. Je vous remercie pour ce taux de participation extrême. La bonne réponse était... Deuxième. Deuxième. Quand on dépasse le deuxième, on devient deuxième à sa place. Calife à la place du calife. Parce que le premier est toujours premier, il s'en fout. Alors ceux qui ont répondu premier, qu'on peut leur dire? Bien essayé. Bien joué Ferguson. Ceux qui ont répondu 3, je suppose, Creepies, il a répondu 3, mais à mon avis, c'était sûrement un genre de petite blagounette. Mais la plupart quand même, ils ont bien répondu. J'ai une question subsidiaire, oui. NanoFR qui nous dit, c'est quel type de vélo? Alors, ce sont des vélos de course à l'ancienne, hein, 12 vitesses, 2 plateaux, à des railleurs de 6. Voilà, comme ça, je préfère être clair, ça rend la question plus claire. D'accord. Et alors avec le changement de vitesse directement sur les cadres, hein, donc la version petit truc, que si tu te plantes d'un millimètre, ça fait... Tu vois? Je vois bien l'idée. Voilà. Ça m'embête cette histoire. Dave, David Hello, dit Nel Taxis. Je suppose que vous connaissez les Chevaliers du Zodiaque, virgule, la série abrégée par State Alchemist. Qu'avez-vous, alchimiste, alchimiste, je ne sais pas, ça dépend comment on est. Qu'en avez-vous pensé? Qu'en as-tu pensé? La série abrégée par State Alchemist, ça ne me dit rien du tout. Alors peut-être que... Alors, beaucoup en parlent. Je t'avoue que moi, j'ai pas encore regardé. Vas-y, j'ai regardé une fois un petit bout, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas encore la possibilité d'accrocher. Apparemment, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Tu as perdu le chat? Non! Alors, il y a John Schneider 4067 qui, je sais pas, qui m'a envoyé un lien avec un screenshot et en fait, c'est un exécutable. Comme c'est mal! Est-ce que tu savais que j'avais un Mac et qu'en fait, les exécutables ne fonctionnent pas chez moi? Alors, merci, j'hésitais, du NanoFR. Sukvetsveb qui dit David HS, bon anniversaire Lo. Merci. Et je pense, si je ne m'abuse, qu'on a gagné. On va lui mettre une combo. Juan Ayo qui dit ha 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 ha, pour une fois que David est concentré. Qu'est-ce que t'as fait? Pendant que je te parle, je crois que j'ai 9 et j'ai 8. alors c'est intéressant, question timing, hein, parce que là. C'est qui avait dit ça? Bon, bah, on va lui cligner son bord. Hein. Donc, Juan Ayo, juste pour info, j'ai réussi à déconcentrer Dave. Finalement, la remarque ne tient pas. Il n'était pas si con. Si concentré que ça. Et du coup, j'ai perdu ma combo pour rien du tout. Alors. Ceci dit, on reste bien. Hein. Tempête, oui, à 3 dégâts. Sylvanas est mouru. Oh, je suis vraiment passé à côté du létal. Alors, Max Payne nous fait remarquer Epic Fail. Hein. Je suis assez d'accord avec lui. Oui, Epic Fail. Avatar Nico, MDR. Artichaut, 13-0, GG. Mark Landers, LOL David.
Darklin 666, Misplay. Max Payne, Misplay. RTVA 123, GG. Enfin, je continue, t'as compris le principe. J'ai compris l'idée. Donc, moi, ce que je voulais juste dire, c'est les viewers trouvent qu'ils sont vachement impitoyables parce que tu bosses dur dans cette émission. Ça me fait un peu de peine. Oui, oui. Hein, parce qu'il faut savoir que David a quand même besoin d'être admiré pour être heureux. Et là, et là, ça ne va pas du tout. Non, ça va. Et 3-0. Hein. Je te signale qu'après, toi, tu vas devoir dualiser aussi. On va voir ce que ça va donner. Hein. M'en fous, je vais choisir les rangs les plus bas. Alors, tu as pas répondu, lol. Hein ? Attends, parce que Quark Liberty m'avait fait un genre de petite énigme. Je vais la relire silencieusement. Hein. Allez, on va finir proprement quand même. Hein. Bien joué. GG at Space Rule. Ouais, ouais, ouais. Alors, si... Bon, alors attends, c'est tactique. Hein. Donc, oui, Mello, dit Quark Liberty. Si le premier est à 20 cm, il manque un S à ton E. Du deuxième, et que t'es troisième, et il manque un ES à ton T. C'est compliqué. Tu doubles le deuxième de 50 cm. Ça va jusque-là ? Oui, mais bon, je répète. Oui, Mello, si tu es premier et à 20 cm du deuxième, et que t'es troisième, comment est-ce que tu peux être. Enfin bon, que t'es troisième, tu doubles le deuxième de 50 cm, donc tu deviens premier MDR arc-en-ciel surface. Effectivement. En gros, moi je pouvais vous dire aussi, oh, si t'es 15ème et que la course fait 100 mètres et que tu doubles le 14ème de 6 km, t'es premier devant tout le monde. Ben, c'est valable aussi. Sais, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Je lance un dernier duel avant la pause inette. Alors, donc tout le monde. Je tiens que je suis à 4-0, hein, moi. Hein, pour le moment, pendant que toi, tu distrais les viewers. Moi, je vais. Mais je reprends au moment où ils se moquaient de toi, justement. Hein. Donc, toujours aussi mauvais à ce que je vois, dit Truite Suprême. Intéressant comme pseudo. J'aime, j'apprécie les fruits au sirop. Dit, attends, est-ce que j'avais pas encore. Ah ben non, on est toujours sur dépasser deuxième. Là, ça nous a pris un temps fou. Alors. Bon, est-ce que t'as remarqué quand même que j'ai joué une variété de decks variables? Deux secondes, c'est important. Juan Ayodi, David, on t'admire. Cœur move. Voilà. Alors, s'il vous plaît, je vous demande un truc là, ça l'a profondément déstabilisé Shed. J'aimerais que vous affirmiez votre amour à David des manières les plus poétiques possibles. Vous envoyez poème au 3906, s'il vous plaît. Alors... 36 Wolf qui nous dit, j'espère arrêter ta série de victoires. 36 non cases contre, il faut un, 36 cases, code, il faut un ami à dev. Alors, on va rappeler aussi quand même, après ça, qu'il y a un Stropol qui est en cours. Il y a un Stropol qui est en cours sur la chaîne YouTube. Si vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a un Stropol. Pour savoir ce que vous auriez envie de voir sur la chaîne. Donc on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous retrouver aussi sur la chaîne. Dev. Oui. Déjà, il y a Dark Lynch 666 qui dit bien rattrapé, David au David. Alors. C'était quoi ça? Il y avait eu comme un bruit de cadavre à l'étage du dessus. C'est les voisins, il fait des travaux. Ouais. Merci. Mais j'ai l'impression qu'il m'a taunté en fait. Alors, effectivement, Quark Liberty qui me dit l'eau, il y a arnaque des places. Les places, là c'est ton tour, tu dois jouer. Oui, après la pause. Au passage, ajoute-moi MDR. Ouais, je vais le faire. Allez. Quark Liberty qui veille à mon bien-être, je joue contre lui. Je m'en fous, je fais pas de l'aléatoire, je joue contre lui tantôt. Faudra que tu lui donnes. Je joue avec toi à condition que tu sois rang 22 ou moins. Alors, moi, c'est clair. Dave, attends, parce que là, on est en train de se faire arroser par pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, Darkling 666, j'ai une énigme pour toi, Lo. Sans même regarder, je vois aussi clair dans l'obscurité que le jour. Qui suis-je? Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Bah, moi aussi. Je suis sûr de la connaître, mais ça me reviendra peut-être. Alors, je vais réfléchir, hein.
Alors, j'apprécie les fruits au sirop, Kaamelott, effectivement. Ça, oui. Mais c'était pas une énigme, elle était trop facile, mais bien vu quand même, Véronique Aloubio. Alors, Nexus 999, Destabilished existe bel et bien, c'est moi qui l'ai inventé, donc oui. Bah, bien sûr. Alors, French Dragon qui envoie poème au 3906, The Freestyler qui envoie poème au 3615, ouais. Donc, Stiglitz qui te fait dire que la fleur au bouquet, fan, mais jamais ne renaît. Donc visiblement les gens t'aiment bien, hein, même quand tu joues mal. Donc je suppose qu'ils m'aiment bien aussi, même quand je joue mal, ce qui est mieux. Bon. Alors, assez d'accord. PM66 qui nous dit, c'est assez dingue, comment on peut être omnubilé par l'eau quand il est en grande forme. Ah ben là, David pourrait se toucher les tétons. Je l'ai lu celle-là. Elle était excellente. Terrible. Excellente. Alors, ben, c'est bien, c'est que je fais bien mon boulot en fait. Oui. Ou un truc dans le genre en tout cas. Alors. Visiblement, elle a bien marché sa vanne. Hein. Alors. Ah, oh, Quar Liberty qui dit rien que pour ça, je suis rang 19 et bim. Ah bah ça c'est, ça va être une, ça c'est, va, ça c'est va rang 29 ou moins. Tu prends juste rang 19, rang 19. Rang 19 ou moins, bah, oui c'est ça. Moi je prends les rangs qui sont équivalents à mon âge aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai le droit, rang 30. Ouais. Ça me paraît bon. Rang 30. Rang 30. Il y a des gens qui avaient mis la possibilité de pouvoir perdre des rangs. Mais est-ce que tu as vu, mais non tu étais en vacances, tu n'es pas au courant apparemment, et j'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure peut-être aussi de ça. Si j'ai bien compris, en fait, on va pouvoir, on va gagner des. Attends, je vais regarder ce qui se passe. Ben juste une seconde, j'en profite pour répondre à une question. Il est pas bien, la garçon. Alors... Il est pas bien, la garçon. Ouh là là. Eh bien joué. Série de victoire de l'extrême. 5-0 contre les viewers. J'ai CVDBD. Pas encore. En tu me dis, Lo, as-tu déjà été légende? Alors, dans oui. Hearthstone, non. Dans son quartier, oui. Ouais, dans plein de choses, oui. Et particulièrement dans l'art exquis de démembrer les gens, mais pas dans Hearthstone, non, désolé. Mais je et fais effectivement, mieux, la hein, série, fais mieux. La série est allée jusqu'au bout. Voilà. Alors, French Dragon qui me dit, Lo, ce que tu dis n'a aucun sens, fin des guillemets, tu as 4 heures pour y répondre. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet de dissertation en philosophie ou une citation? Si c'en est une, je vais y réfléchir. Alors, pas changer assiette pour fromage, dit Véronique Aloug. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Alors je rappelle quand même, pendant que tu lis un petit peu, je rappelle aux amis viewers que sur la chaîne YouTube, on a lancé un petit stropole pour savoir ce qu'il vous ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à aller sur le stropole et bah, laisser voter, voir un petit peu ce qui vous plaira. Vous verrez un peu les instructions. Ici on me dit, Zephyrals me dit, démembrer les gens, point d'interrogation. C'est cordial ça, point d'interrogation. Ça dépend si c'est fait avec élégance. Attends, déjà, première chose, regarde bien ce visage. Est-ce qu'il est cordial? Est-ce qu'il est cordial? Sans déconner, non mais regarde-le sous cette forme. Voilà. Ouais, parce que là, je souris, mais c'est pas mon métier. Hein. Je le fais juste parce que j'aime bien. Je souris, mais c'est pas mon métier. Alors oui, faudrait quand même qu'on parle aussi avec les viewers de cette histoire de... cette histoire donc, que tu n'as peut-être pas vue puisque tu reviens de vacances, mais donc, quand tu vas... Je sais pas si c'est à partir du rang 5, mais il y aura des récompenses en fonction du niveau que tu vas atteindre chaque mois. Oui. Mais je ne sais pas si c'est à partir du rang 5 ou si c'est à partir du rang 5 ou pas, et à condition qu'on se soit amélioré. Tu sais ce que je pense. Demande un petit peu. Attends, on va laisser les viewers répondre. Tu sais ce que je pense. Dis-moi. Moi, je pense que c'est pas juste. Je pense que si tu voulais que le jeu soit plus compétitif, tu devrais offrir des boosters à ceux qui sont du rang moins élevé pour qu'ils puissent avoir plein de trucs cool à jouer. Mais en même temps, tu dois bien récompenser aussi ceux qui ont souffert pour atteindre ça. Ça dépend comment tu votes. Ah, mes cheveux. Tu vois, si tu considères que le mérite, c'est le plus important, alors je suis d'accord avec toi. Et si tu considères que le besoin, c'est le plus important... Ah ouais, mais là, c'est la méritocratie, c'est surfait, là. Ouais. Voilà. Moi, ce que je vous propose... Non, mais dans la vraie vie, je suis d'accord avec toi. Hein. Le plus fort écrase la gueule des autres, dommage. Hein. Tu peux dire ça avec élégance. Les plus forts écrasent. Le visage. Faible et moelleux des... Ouais, craquant, voilà. Je dirais. Croustille-moi-l'homme. Quand ça crunch, c'est mieux. Ceci dit, moi, je propose qu'on fasse une pause inette de 5 minutes parce que j'ai...
Attends, Nexus 999 demande l'eau et le déposseur de Mons, point d'interrogation. Non, c'est pas moi. Je vois vraiment en fait que tu es. On voit que tu es revenu de vacances, tu es hors suprapuissance. Ah, moi je suis. Venise, t'as réussi sport, apparemment. Venise, t'as réussi. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Attends, parce qu'on nous a répondu à ta question. Ah oui, qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu. C'est Bivat9 qui dit non, tu as une récompense à partir du rang 17. Et j'ai French Dragon qui dit non, c'est pour n'importe quel rang, pas d'accord. Et j'ai quelqu'un qui dit cerise, et c'est Quar Liberty qui dit cerise quand je mange des cerises. Alors je vous invite, on va faire un petit jeu. Quand je mange une double cerise, vous dites cerise. Alors moi, j'aimerais bien vous faire un petit jeu avec les viewers. J'offre un booster à Laurent pour chaque game qu'il gagne contre vous. Et moi, j'aimerais bien faire un petit jeu avec les viewers. Aujourd'hui, on ruine David. À chaque game qu'on fait, vous concédez, s'il vous plaît. Non, mais vous ne pouvez pas concéder, non. Chaque game que vous jouez... Vous faites du lose for fun, ça me va très bien. Alors, on m'avait conseillé, on aura peut-être le temps de le faire, on m'a conseillé un format de duel assez particulier. On aura 5 minutes pour faire un deck. Je ne sais pas si... Cerise. Comment on fait pour auto... flouder son propre oui, chat. C'est ça, tu verras, c'est tout un art. Alors, on m'a conseillé un système de duel. Préparez vos decks, ceux qui auraient envie de dualiser contre Laurent. C'est un duel d'auto-suicide. Le but du jeu est de mourir avant l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... Petit-suicider. C'est-à-dire qu'il faut essayer de soigner l'autre, de ne pas mourir et de nous-mêmes s'infliger des dégâts. Donc, on va construire le deck pendant la pause. Tu l'as prévu pour non, moi, ça. Non, mais il va falloir qu'on le fasse. Ah, donc, ça va être le deck petit-suicidé. Voilà, ça va être que des decks petit-suicidés, les duels. Et vous devez battre Laurent à ce jeu. Vous devez vous petit-suicider avant que lui-même ne se petit-suicide. Voilà, donc je vous invite à préparer ça. Nous, on se donne rendez-vous dans 5 bonnes minutes après la pause. Une petite pause déshydratation, hydratation. Alors, juste une remarque, c'est vraiment le concours sur le chat. Des gens qui sont prêts à se vendre pour jouer en live. Oh, s'il te plaît, je te laisserai gagner, pas de problème. Maman, je passe à la J'apprécie les fruits au sirop, mais j'ai dit que je jouais d'abord contre Quar Liberty parce qu'il est gentil, qui m'a défendu contre David. Qui as fait un 5-0, David, il est bien. Il est puissant. Il est puissant. Il est valeureux. Cerise. Sur ce, moi je vous dis rendez-vous dans 5 minutes.